Mais on est très heureux de reprendre, très, très excité. Albi, un gros morceau qui vient à Boyau. Donc, on est hyper concentré. Voilà, il va pas falloir se tromper parce qu'Albi est très bon dans tous les secteurs. Ils ont fait pas mal de coups. Ils ont fait tomber tous les gros chez eux. Ils sont allés chercher des points à l'extérieur. On sait qu'ils vont venir ici pour consolider leur place dans les quatre premiers. Donc, ça sera un match. Certainement le match le plus dur qu'on ait à faire cette saison du bien, parce que ça m'a permis de rectifier le tir par rapport au football à la maison. Et voilà, après rien n'est acquis. Donc tous les week-ends sont différents. Si on met les mêmes ingrédients contre Dijon, ça devrait bien se passer. Si par contre on réédite le même match que Blagnac, on va droit dans le mur. Rien n'a effacé notre match contre Blagnac. Au contraire, on l'a tous en tête. Après, on a rectifié le tir à Dijon. Certes, mais il faut garder au fond de la tête que Calbi nous a mis 5 points au match d'aller. On a pris un carton rouge, on avait très mal débuté le match, on avait pris quasiment 14 points en moins de 10 minutes. Voilà, c'était compliqué la tâche. Maintenant, c'est à nous à leur montrer que ça ne sera pas le même match à Boyau. Encore une meilleure conquête, parce que c'est certainement la meilleure conquête du championnat, autant en touche qu'en mêlée. Il va falloir être propre sur nos ballons au sol, propre dans nos passes, propre techniquement, propre sur les ballons hauts. Je ne connais pas encore la météo de ce week-end, mais je sais très bien que connaissant le jeu des Albigeois et leur manager, je pense qu'ils vont vraiment nous proposer du défi et des ballons hauts. Donc si on n'est pas propre sur ce secteur-là, ça sera compliqué d'espérer quelque chose.